Action Motorsport vous est présenté par Moto Vanier, RPM Rive-Sud. Que diriez-vous de faire l'essai d'une BMW série R 1250 RT ou peut-être même d'une Suzuki V-Strom? Ben, bienvenue à RMS Moto, on va bien s'amuser. Si vous allez prendre une bière avec Steve Gauvreau de l'école de moto Centreville, il va passer son temps à vous parler de contrebraquage, de contrepoids. Mais aujourd'hui, il ne fera pas juste nous le dire, il va nous le montrer et nous l'expliquer. L'entretien, lubrification de la chaîne, une chose à laquelle on passe droit souvent, mais les gens de Sport VL sont là pour nous rappeler qu'il faudrait bien le faire et de la bonne façon. Et les experts de Silver Wax vont nous montrer les produits qu'ils ont développés pour l'entretien du chrome, mais aussi pour sauver vos valises et vos moulages de plastique là, qui ont blanchi au soleil et qui ont vu des jours meilleurs. Une demi-heure de votre passion moto sur Télémag. Quand tu débarques dans le département d'ingénierie d'un manufacturier de moto, tu rencontres les principaux acteurs là-bas et tu leur demandes « Votre mission, dans le fond, c'est quoi? » Et souvent, ils vont te dire « Ben nous, on a un certain type de clientèle ou de plateforme qu'on adore. » Certainement, Michel, que chez BMW, la plateforme R, qui est légendaire, fait partie de leur génétique, ça c'est vrai. Et là, on a la nouvelle mouture de la R 1250 plus que RT. Génétique. C'est historique. C'est historique, exact. Oui, c'est presque. Puis la RT, Claude, je te l'ai déjà expliqué, c'est la moto sport touring à laquelle les autres manufacturiers se comparent. Tout le temps. Parce que c'est comme la référence. Puis encore, là, il y a un facelift, ça veut dire qu'on a un petit peu changé l'apparence physique sur l'année passée. On a le moteur 1250 à valve variable. Mais je t'ai fait remarquer tout à l'heure, t'as-tu vu l'écran là-dessus? C'était un écran... C'est cinéma maison. Cinéma maison. Les Tesla, je pense, qui ont plus de surface. Exact. Vraiment, pas parce que t'as plus d'informations, mais l'information est encore plus grosse, encore plus visible. Ce qu'on a rajouté encore de plus cette année sur la RT comme ça, ça marche par des packages, des groupes. OK, on a la suspension électronique qui fonctionne comme un charme, mais on a le package... Je me souviens pas le nom, là, dans le Touring Plus ou je ne sais pas trop quoi, Performance, on a le Cruise Control adaptatif. Qui marche avec un radar. Avec un radar. Donc, il y a un radar dans le nez de la moto qu'on va ajuster la distance avec le véhicule qu'on suit. Puis notre Cruise Control va s'adapter à la vitesse de l'autre en fonction de la distance qu'on va avoir choisie. L'algorithme BMW. Exactement. La visière s'ajuste électriquement. On a encore la molette pour naviguer dans les menus qui fonctionne. Que toi, tu l'adores. Ouais. Super bien. Ah oui, c'est facile, facile. Belle chaîne audio qui fonctionne bien. Les valises qui se barrent et se débarrent avec la télécommande, avec la clé. Vraiment, là, les sièges chauffants. Tu sais, il y a tout. Un bel équipement. Puis moi, j'ai toujours trouvé la RT, je dirais pas ennuyeuse, mais trop confortable à mon goût, parce qu'elle est très confortable. Puis là, avec celle-là, j'ai eu plus de plaisir que de confort. OK. Je trouve que la sonorité s'est améliorée un petit peu avec le temps. Là, on l'entend vraiment bien gronder. Pour un gros bicylindre, on n'a pas beaucoup de vibrations, sinon une vibration agréable de coupe puis de puissance. Puis la livrée est impeccable. C'est sûr que la tenue de route sur ces motos-là, on a le principe télélever qui est propre à BMW, qui fonctionne vraiment bien. Sur ce modèle-là, on a des freins Brembo. BMW ont toujours eu d'excellents freins, ou même les meilleurs de l'industrie, puis là, on a mis ce qui se fait de mieux. Brembo. Ouais. Donc, on a un groupe d'accessoires, un groupe d'options sur ce modèle-là qui manque rien. L'esthétique est un peu évolutive, comme tu le disais, ouais. Mais c'est pas... Disons que ça bouleverse pas les standards qu'ils avaient établis. Je regarde, par exemple, les valises à l'arrière sont bien dessinées. Il est évident qu'elles font une bonne gestion du flot d'air, mais c'est pas des changements spectaculaires. Non. L'aérodynamique est gardée en ligne de compte. On a une excellente protection au vent, vraiment, là, sur la moto, peu importe notre grandeur, parce qu'on peut ajuster la visière à chaque demi-millimètre, si on veut. Mm-hmm. Les valises s'enlèvent en une
fraction de seconde sans qu'il y ait de rack ou de tubulure pour les tenir. C'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Tout l'éclairage est au LED. On a même un éclairage en courbe quand on penche la moto. Puis si on va à haute vitesse, ça ne paraît pas. On a un éclairage qui allume dans le côté pour éclairer. Il manque vraiment rien. Les Cadillac des années 70 étaient faits comme ça? Il y en avait. Ah, oui. Je regardais le phare arrière. C'est un LED avec des réflecteurs. Exactement. Ce qui est une nouvelle façon pour le designer de travailler. Mais c'est presque transplanté de la Batmobile. Il y en a 10 LED à l'arrière. Ouais. Dans l'aileron. Très visible. Ouais. Tu as les clignotants, puis les feux de freinage et de position qui sont intégrés. Mm-hmm. La tenue de route, Claude, c'est impeccable. On entre en trajectoire, c'est facile à conduire. La moto, même si elle a l'air un peu grosse, elle se conduit comme une GT. Elle est vraiment facile à conduire, puis c'est le fun de prendre les courbes avec ça. C'est agile. Mm-hmm. La suspension de ces machines-là est incroyablement efficace dans les courbes, dans les bosses, n'importe quoi. C'est ça le génie de BM, dans le fond, là, si je suis bien ton propos, parce que n'importe qui, même les gens qui connaissent la moto, quand on regarde une grosse serrière comme ça, avec les ouais. deux gros cylindres qui sortent, on se dit, mon Dieu, ça doit être lourd, ça doit être laborieux. On pense ça. On pense ça, puis quand on la conduit, c'est tellement facile, puis ça rentre tellement dans les courbes que le feeling qu'on a, c'est, ah, oh, j'aurais pu rentrer un petit peu plus vite encore, puis ça aurait été encore plus le fun. Okay. Donc, l'avantage sur une piste, là, moi, j'aimerais ça que l'asphalte soit un peu plus chaude, on aurait pu pousser un petit peu plus loin. Mais l'avantage sur une piste, c'est qu'on peut s'amuser puis sans regarder le compteur. C'est vraiment le fun, puis c'est une moto, malgré de sa grosseur, qui se comporte vraiment bien. Tu conduis pas aux instruments, tu conduis au fond de culotte, comme on dit. Un peu, avec le pacemaker. Ouais, parlant de fond de culotte, je vois que la surface pour le passager ou la passagère à l'arrière, là, c'est... C'est une moto. Il y a juste la reine Elisabeth qui dispose de plus de surface que ça sur son c'est trône. C'est très confortable à deux. On peut rajouter le top case qui va faire un excellent dossier pour le passager. Puis on part pour des heures et des heures de plaisir. Bien, ben, la réputation du département d'ingénierie de BMW est saine et sauve. S'il y a de quoi, ils ont réussi à nous monter ça d'une coche encore. Alors, allez la voir en concession si vous avez l'intention de courir de grands chemins. Cet essai sur piste vous a été présenté par Moto Vanier. Les historiens de la moto s'entendent tous pour dire que Evel Knievel a peut-être eu des fils illégitimes. Il y en a peut-être un ici, Steve Gauvreau de l'école de moto au centre-ville. Steve, une notion importante quand on veut justement, on n'est pas un daredevil, c'est le contrepoids et le contre-braquage. Parce que les deux expressions commencent par le même terme. Les gens croient que c'est la même chose. C'est totalement différent. Dans le fond, dans une manœuvre de contrepoids qui va se faire à basse vitesse, c'est de peser avec son pied d'un côté et d'amener ses épaules de l'autre côté. Quand on veut redresser la moto, on va peser avec son pied et on va mettre ses épaules de l'autre côté pour pouvoir remettre la moto droite. Ça, c'est à basse vitesse et le volant va être dans le sens du virage. Alors qu'un contre-braquage, le mouvement que vous devriez faire, c'est sortir votre poids à l'extérieur du véhicule dans le même sens que le virage. La moto vient déstabiliser et elle va s'incliner, puis vous allez prendre votre virage adéquatement. Le problème de gens qui ne réussissent pas le contre-braquage, et je l'entends souvent, prenez un exemple de quelqu'un, ça fait 35 ans qu'il conduit une voiture, au moins 25 ans qu'il n'a pas embarqué sur une moto, veut tourner le volant pour se diriger dans le bon sens, la moto se dirige immédiatement à l'extérieur. Et j'entends toujours la même chose. J'avais le bras bien barré, puis je voulais absolument virer par là, puis il n'y allait pas pantoute. L'assiette de ta moto était beaucoup trop droite. Alors, tu étais déporté immédiatement à l'extérieur du virage et c'est très dangereux. Il y a deux roues, c'est le principe gyroscopique. C'est conçu pour que tu l'inclines, dans le fond. Donc, contre-braquage veut dire contre-braquer le mouvement naturel de la moto d'aller en ligne droite. Puis, je vous citerai un exemple. Il y a quelqu'un qui s'est présenté ici, 1000 km de roulée avec une moto, puis les petits accrocordons sur le pneu étaient encore là de chaque côté de la bande de roulement. Ça, c'est impressionnant, là. Ça veut dire que cette personne... Il a littéralement presque jamais penché. Penche pas la moto. Donc, break, prends un virage, tourne. Puis la journée que la personne va aller trop vite, puis elle est trop droite de sa moto, pogne une bosse, bonsoir, t'es éjecté vers l'extérieur du virage. Puis ce qu'on voit derrière nous, tes élèves qui sont en train d'apprendre ces notions-là, c'est ce que les moniteurs leur demandent de faire. Oui. À basse vitesse, c'est plus dur.
À 40 km/h, une moto contrebraque très bien. Là, on demande de le faire à 25 pour bien maîtriser la différence entre contrepoids et contrebraquage. OK. Bien, vous voyez, c'est des notions qui peuvent sembler abstraites ou même intuitives chez certaines personnes, mais si on ne se les fait pas bien expliquer, si on ne les comprend pas bien, ça va avoir un impact peut-être sur votre réussite de votre examen et certainement sur votre conduite après. École de moto Centre-Ville, la meilleure façon d'en savoir plus, c'est venez vous joindre à ceux qui, justement, maîtrisent maintenant et la théorie et la technique. Merci, Steve. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Comme un mécanicien de course me l'a déjà dit, bien entretenir sa chaîne, c'est important. La lubrification, c'est essentiel. Jean-Luc de chez Sport VL, il y a un quatuor de produits ici dont j'aimerais bien que tu me parles. Et je te sais, un gars très vert, on le voit par ton T-shirt d'ailleurs, un nettoyant à chaîne biodégradable. Oui, exactement. De nos jours, ça a beaucoup avancé dans les nettoyants, les lubrifiants, etc. La compagnie Mokoff font une gamme de produits très vaste. Et puis maintenant, tu peux avoir un nettoyant qui est biodégradable. C'est-à-dire que tu vas shooter ça sur ta moto, si on peut dire. Et puis lorsque tu le nettoies avec de l'eau, bien, quand tu vas aller dans les égouts, quand dans nos domaines. Tu n'endommageras pas le système de recyclage d'eau de ta municipalité, tu ne défends pas ton asphalte, etc. Okay. Exactement. La compagnie Mokoff aussi a des nettoyants de filtre à air. Toute la gamme de produits pour ta moto, de la tête aux pieds, si on peut dire. OK. Tout l'environnement du moteur peut trouver sa chaussure à son pied. Il y a ici un lubrifiant de chaîne parce que tu m'expliquais avant qu'on aille en Londres, il y en a plein de variétés pour à peu près tous les genres d'utilisation et les caprices des propriétaires. Oui, en fait, écoute, là, je t'ai amené un échantillon, mais on pourrait remplir la table de bouteilles si tu veux. Chaque personne aime sa marque avec depuis des années qu'elle fait affaire. T'en as qui sont carrément sans tâche, t'en as d'autres qui vont durer plus longtemps, mais qui laissent un petit peu de résidus. Le principal, c'est d'en mettre, parce que ça fait durer ta chaîne au lieu de durer 5000 km avant d'en durer 25 ou 30, et de la nettoyer de temps à autre, avec un exemple de petite brosse qu'on a ici. Ce n'est pas une nouvelle forme de pasta chez un grand chef cuisinier, c'est une petite spirale en acier inoxydable avec des brosses. Et ça permet de nettoyer sa chaîne en profondeur sans être obligé de la démonter de sur la moto. Exact. Comme c'est intelligent. Tu te mets sur le pied central ou tu mets sur la béquille latérale. Tortiller autour de la chaîne et vous faites un mouvement. OK, c'est le fun. Parce que la lubrifier, c'est une chose, mais la nettoyer, c'est une autre. Et d'ailleurs, puisque tu parles de ça, j'aimerais ça que tu m'expliques. C'est la première fois que je vois ça. Je vois un nettoyeur pour chaîne ici de la marque Maxima, mais je vois aussi une cire pour la chaîne. Est-ce que je rêve? Oui, bien exactement. Ça, c'est pour beaucoup de nos consommateurs de route, eux qui ne veulent pas de traces ou quand la chaîne, là, ça splash partout. D'accord, on tu ne veux pas que les beaux pantalons, les beaux jeans blancs de ta blonde soient soudainement recouverts de picots. Et voilà. Fait que c'est carrément pour ça qu'ils l'appellent cire. OK, je vois, je vois. Donc, elle fait une fonction de lubrification, mais elle ne crée pas les effets négatifs d'une huile sur les vêtements ou sur l'environnement. Très bien. OK. On a toute la gamme. Vous voyez, comme il l'a dit, on pourrait presque être comme dans une microbrasserie et que la table soit couverte de bouteilles. Mais vous voyez toute la gamme. Vous irez sur le site sportvl.ca, sport au singulier, et vous verrez tous leurs produits. Renseignez-vous. Allez en magasin. Ils vont vous équiper pour que votre chaîne ne se soit jamais sentie aussi fraîche. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. Peut-être que pendant qu'on regardait tous dans une autre direction, quelqu'un s'est dit « Il faut arriver avec encore plus de motos Sport Adventure Tourer, comme cette V-Strom de Suzuki, Michel. » Il y a vraiment une, ce que j'appellerais ça, une tendance lourde. En tout cas, il y a une niche très effervescente pour ce genre de moto-là. Touring Aventure, c'est pas d'hier que ça existe. Ça a été lancé depuis plusieurs années, puis tous les manufacturiers poussent là-dedans. La V-Strom, c'est pas nouveau de cette année, mais ça a beaucoup évolué avec les années. C'est vraiment, vraiment le genre de moto qui, depuis qu'elle est sortie, je dis tout le temps, si on en prend soin, on va l'avoir pour tout le temps. Puis si on n'en prend pas soin, on va l'avoir pour tout le temps. Elle m'apparaît relativement indémodable. À voir comme ça. Oui, puis elle a été refondue puis beaucoup améliorée. Là, je suis content qu'on puisse mettre la main sur la 650. Elle se fait aussi en version 1100. C'est un V-Twin. Pour un petit 650, il y a beaucoup de cœur. Il est le fun à conduire.
ça en fait une petite moto d'aventure qui est légère. Puis que on, là, dans cette version-là, on l'a avec des bagageries rigides. On peut avoir des bagages souples, on peut avoir, l'avoir sans bagages. Puis Claude, on parle pas d'une moto excessive, on parle de même pas 11 000 là, oh, wow. dans la version qu'on a là. Donc, c'est très abordable et c'est un excellent produit, facile, facile. On a l'impression d'être sur une plus petite moto. Puis le feeling de conduire avec la reprise d'un petit V-twin est vraiment le fun. Pour partir à l'aventure, on manque pas de puissance. On a, je me verrais partir en voyage et avoir beaucoup d'agrément. Je regardais l'architecture du moteur. Les cylindres sont très décalés un de l'autre. Ouais. Souvent, ils sont presque en ligne. Ça veut dire que probablement que le vilebrequin est extrêmement balancé. Ça doit être assez doux. C'est très doux. Depuis le temps, moi, j'avais essayé, il y a quelques années, une SV650, qui est la petite sœur naked de ça, qui est un excellent petit bike de... J'aime pas dire de débutant, mais ceux qui commencent peuvent très bien commencer. Si on veut commencer avec une Touring Aventure, c'est excellent parce qu'on va pouvoir la garder longtemps. Mm-hmm. Comme je te dis, c'est ultra fiable. Sur le livret qu'on a là, j'aime le fait qu'on ait mis des roues tubeless en broche. Ils sont en aluminium anodisé. Exactement. Ce qui est, vous en conviendrez, tout à fait spectaculaire. Ça s'agence, n'est-ce pas, avec le En plus le bleu d'avoir ici, un look excellent, c'est des roues qui sont beaucoup plus rigides. Donc, si on veut partir à l'aventure, ça veut dire qu'on ne reste pas toujours sur les routes pavées. Mm. Ça fait que c'est une moto qui a un centre de gravité qui est assez bas. Puis vu qu'elle est très légère, on s'entend, c'est pas un motocross. Mais on va pouvoir aller, même de façon un peu agressive, sur des routes non pavées ou des routes qui sont moins belles, puis on va avoir du fun avec. C'est un beau produit, c'est un beau choix comme moto si on veut pas aller dans le haut de gamme ou dans les motos avec trop d'équipement qu'on n'a pas besoin. Puis, quand on lit, par exemple, des magazines automobiles, souvent, on va voir les critiques, les journalistes dire « Très beau design, choix des plastiques décevants. On a l'impression d'être assis à l'intérieur d'un contenant Rubbermaid. Ouais. » Dans ce cas-ci, je regarde la façon dont ils ont texturé leur plastique, l'aile avant qui reproduit même la fibre de carbone, les protecteurs de poignée ici qui sont... Je veux dire, tu vois qu'il y a un souci d'esthétique évident pour les gens de Suzuki. Puis là, on parle de la 650. Quand on va dans la version 1100, bien là, on peut l'avoir avec une suspension électronique, on peut l'avoir avec le cruise control, avec beaucoup d'équipements, beaucoup d'accessoires. Donc, malgré que je te parle de deux modèles, la 650 puis la 1100, on a beaucoup de choix qui peuvent s'adapter soit à notre budget, à nos désirs. Puis, je le redis encore, c'est une excellente moto qui est vraiment fiable, puis qui est solide, puis qui va durer longtemps. On a une prise accessoire 12 volts à l'avant. Je vois que le pare-brise est ajustable manuellement, mais il y a une gamme d'ajustement d'à peu près 5-6 cm. On peut le configurer à notre grandeur, à notre style de conduite. Il y a une légère curvature ici, ça veut dire qu'il a été testé en soufflerie, c'est clair. Pour générer la bulle qui va protéger le pilote quand on fait de l'autoroute. C'est une moto qui est très stable, parce que même si elle est légère, elle est très stable, elle a une belle tenue de route. On a une roue avant qui est de 19 pouces. Ça donne une bonne conduite quand même en route sinueuse. Ça répond très, très bien. Vraiment, elle est fun. Je viens de remarquer que les miroirs, les systèmes de montage des miroirs sont ajustables dans deux axes en plus. C'est vraiment... Ils sont un petit peu déportés pour avoir une bonne vision en dehors des épaules du pilote. C'est une moto qui est bien conçue. C'est une moto qui a été bien évoluée avec le temps. Donc, elle est facile pour le pilote, elle est facile à prendre en main. On a tout ce qu'il faut dans l'électronique puis dans l'affichage, l'ordinateur de bord qui nous donne notre consommation, ces détails-là, sans en avoir en surplus. Donc, ça manque rien. Puis avec une bagagerie comme ça, puis si on voyage seul, on peut rajouter un bagage. Puis tu disais toi-même tout à l'heure qu'elle permet un bon niveau, de titiller l'aventure sans qu'elle soit encombrante. Mais je regarde la façon dont le support, la plateforme à l'arrière pour soutenir le bagage est faite. On voit que c'est heavy duty, C'est conçu pour, effectivement, moi, j'ai déjà fait un voyage avec une petite moto comme ça, puis j'avais... Un paquet de bagages de montée ici à l'arrière, bien strappé. Puis je suis parti à l'aventure au Labrador. Mm-hmm. Puis ça le fait très bien, là. Si on veut partir seul, si on veut partir à deux, c'est une autre histoire, mais ça le fait aussi très bien. Mm-hmm. Puis le prix d'entrée est pas... Vous ne serez pas obligé d'hypothéquer votre maison. Non, c'est pas exorbitant. Puis c'est une moto que même si on la prend pour commencer, si on veut commencer avec une Touring Aventure, bien, on va pouvoir la garder quand même assez longtemps avant de dire « je suis blasé ». Parce que quand on va... Dans un modèle plus gros, oui, on a plus de moteur, mais on a plus de poids à déplacer. Si on veut faire de l'aventure, il faut faire un compromis entre les deux, des fois. Parce que, inévitablement, en théorie, vous partez avec de l'inventaire en arrière. Là. Puis je parle pas de votre douce moitié, là, je parle d'équipement. Le bagage. Alors, la V-Strom Sport Adventure Tour de Suzuki, une 650cc, quelque chose de bien, intéressant. Ça lui a fait plaisir. Vous devriez aller en essayer une.
Cet essai sur piste vous a été présenté par RPM Rive-Sud. La bonne nouvelle, c'est que les mototourismes ont beaucoup évolué. Les matériaux sont synthétiques, légers, durables. Richard, un des compromis qu'ils ont eu à faire, c'est que les plastiques, souvent, le soleil leur fait la vie dure. Tu en sais quelque chose et tu as développé un produit qui s'appelle Trim Glaze pour les composantes non peintes. Exactement. Plastiques qui ont tendance à blanchir. Oui, bien, nous autres, à chaque semaine, on a des gens qui arrivent avec leur moto. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de routes. À ce moment-là, c'est que les plastiques, ils n'ont jamais traité. Il faut que tu traites ça. La minute que tu as ta moto, elle est neuve, l'idéal, c'est de les protéger contre les rayons du soleil. C'est ça qui blanchit les plastiques. Trim Glaze va aussi les ramener. Ceux qui ont blanchi, on va les améliorer beaucoup, mais en revenir complètement neuf, non. Mais si on les prend tout de suite au départ, okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont toujours rester belles, tout le temps, année après année, et une à deux couches par été, c'est tout ce qu'on a besoin, puis ça protège à 100 % du soleil. Ça. La petite bouteille qui fait les miracles, mais laisse-moi voir, là, si je... mon esprit contrarian, est-ce compliqué? Je vois un tampon applicateur ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le produit, on l'applique dessus, et on n'a même pas besoin de l'essuyer. Une mince couche, on l'étend uniformément sur toutes les plastiques non peints de la moto. Hein. C'est pas juste sur les valises, okay. Partout ce qu'on en a. L'objectif, c'est que la couche de protection qu'on met dessus reste là. Faut pas l'enlever oui, après. Oui, exactement. Puis on peut le faire au gros soleil. C'est ça qui est intéressant. Plus que le plastique est chaud, faut pas nécessairement le chauffer, mais plus que le plastique est chaud... Il va absorber. Exactement. Il absorbe, puis il va aller se placer immédiatement. Puis là, on a une protection pour des mois et des mois. Laissons la plasturgie de côté et allons dans la métallurgie. Nos amis allemands chez BMW ont une moto spectaculaire en termes de chrome. Oh. Tu as un produit aussi pour assurer que ça reste scintillant. Oui, Sheen Layer, c'est un produit qui est fait pour protéger le chrome et le fer. L'eau va perler dessus et va lui donner de la brillance. Ce qui est intéressant, c'est de l'application. On le vaporise sur le chrome, on l'éteint uniformément et on l'essuie avec un autre microfibre sèche. Okay. Tout simplement, puis le chrome, il est beau et il va perler pendant des mois la même affaire. Et le chrome va manifestement télégraphier de la chaleur parce qu'il est sur une moto, etc. Donc, la composition chimique de ton produit tient compte du fait qu'il va être surchauffé après. Oui, exactement. On peut en mettre sur les lignes d'échappement sans aucun problème. Ça peut être très, très chaud et le produit ne part pas à la chaleur, il reste là. Puis, tu n'accentueras pas la coloration bleutée, etc. Non, non, non. Ça l'enlèvera pas ça, mais ça va donner une belle brillance. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un chrome et la saleté ne collera pas dessus avec ça, ce produit-là. Pas du tout. OK. Bien, voyez, deux solutions pour, si j'osais, protéger, quand on est rendu à ce niveau-là, protéger votre investissement grâce à Silver Wax. Merci, Richard. Ça fait plaisir, Claude. Cette chronique vous a été présentée par les produits Silver Wax. Projetons-nous un peu dans le futur. De quoi on va parler la semaine prochaine? Deux essais, la Indian Chief en édition Dark Horse, une moto qui va vous impressionner, ainsi que la Ryker 900, évidemment, de Spyder. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas de nous syntoniser. Allez sur notre site Internet, vous verrez toutes nos émissions si vous avez du rattrapage à faire. Soyez prudents. Action Motorsport vous a été présenté par Moto Vanier. RPM Rive-Sud.